Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici c'est Lunan Levy au Bion Hondo. Je suis du côté du nouveau terminal. Voici un peu où en sont les travaux du nouveau terminal. Voici à quoi ça ressemble présentement. Depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc, c'est encore un très 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 gros chantier. Donc, seulement je vois même pas les ouvriers sur le chantier, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on mentionnait une grève chez Afcon, qu'il y avait un mouvement chez Afcon à cause des salaires, je ne sais pas trop quoi. Parce que là, je vois pratiquement pas d'employés, à part quelques-uns qui nettoient. Ils sont en train de couper l'herbe là-bas vers la tour de contrôle là. Mais bon. C'est vide. Normalement, ce terminal aurait dû être terminé déjà depuis un bon moment. Mais ça a pris du temps, des délais. Et là encore d'autres délais avec cette grève qui est en train de se passer où s'est passé Chafcon. Parce que même vu de là, tu sens que bon. Il y a un problème parce que normalement les ouvriers doivent être sur le chantier. Et là, bon, je ne vois pratiquement personne. C'est vide. Ou bien ils se reposent, ils vont venir, ils attendent que le. Ou bien ils se reposent, ils attendent que le béton ou bien le bitume sèche. Parce que ça, bon, je pense que je découvre ça. Ça, je pense, je découvre ça. La dernière fois. Donc, je sais pas si c'est là où il y a les poteaux, là où sera exactement le nouveau terminal. Je ne sais pas. Le nouveau terminal d'embarquement, je ne peux le dire, je n'ai pas les plans. Je n'ai pas les plans sur moi. Mais bon, il y a un de mes abonnés, quelqu'un qui me suit, qui m'avait parlé de 2026. Espérons qu'en 2026 ce sera terminé parce que avec la voie de contournement qui ne font que reporter qui était censé être livré en main, maintenant bon, vous savez, on a largement dépassé les délais avec tout ce qui se passe. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, vivement que bon, ce nouveau terminal termine. En tout cas, il verra le jour. Ouais, les bâtisses sont là. Il verra le jour. Il verra le jour. Donc, la famille, c'était pour vous donner un peu un update sur le nouveau terminal. On va se dire ciao. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Je ferai encore un nouvel update dans 1 ou 2 mois du nouveau terminal. Merci. C'était Lunan Levy au Biondo.